Alors ça, c'est la mairie, l'ancienne mairie de Conakry, qui malheureusement... Pourquoi a connu ça? Je vais te demander. Qui malheureusement n'existe plus. C'est le palais qu'on a cassé. Ça, c'est le palais qu'on a cassé. Ah, c'est dommage. C'était une belle maison. La fontaine, la statue oui. est toujours intacte. Elle est intacte. C'est pas possible. Écoutez. Oui. C'était joli. C'était en bois. Ça, c'était, hein. ravissant. C'était ravissant. Tout ça, même. C'était du bois. Très peu de. Alors, on voit qu'un collectionneur de timbres. Ah, c'est oui. Bon. Ça c'est très, l'hôpital. Très peu changé ça aujourd'hui. Pas beaucoup changé. Hein, hôpital Ballet, hôpital Ignace Dil. L'entrée est pareille. Bon, il y a les manguiers qui n'y sont pas en face. Ça, il faut lui montrer à Porthos parce que c'est le palais de justice. Je pense que c'est le même bâtiment, mais on a enlevé les colonnes. Doyen Milton Popa, bonjour, nous sommes heureux de vous rencontrer. Vous prenez part à l'exposition photo sur Conakry, la vieille ville. Qu'est-ce que vous avez ressenti face à ces photos qui datent de 1900? Écoutez, je vous remercie, mais je ne pense pas connaître tout ce qui est présenté ici. Tout au moins, j'ai retrouvé pour la plupart des cartes postales, des vues qui sont présentées ici, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'ai connues dans mon enfance. Des maisons qui n'existent plus, mais que j'ai connues dans mon enfance. Des sites que j'ai connus, des arbres que j'ai vus, des monuments historiques que j'ai vus dans mon enfance. Par exemple, la statue de Ballet qui n'existe plus, la statue du gouverneur Georges Poiret qui n'existe plus, des fromagers qui... des grands fromagers qui étaient là au port, qui n'existent plus, qui ont été enlevés ou qui sont tombés d'eux-mêmes pour mettre des bâtiments publics à la place. Ce que je ressens un petit pincement de cœur parce que ça me retrempe 40 ans, 45 ans en arrière, quand j'étais tout môme, quand j'étais tout petit. Vous savez, ça, c'est un pincement, comment je dis, un pincement au cœur, parce que beaucoup de choses ont été remplacées qui n'auraient pas dû être enlevées, qui auraient dû être conservées comme monument, comme patrimoine de la République de Guinée, patrimoine laissé par la colonisation. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bonjour M. Grant, la télévision nationale est heureuse de vous rencontrer. Ce matin, vous êtes l'initiateur, l'organisateur de cette exposition sur les vieilles photos de Conakry. La vieille. En fait, est-ce qu'on peut savoir d'où est venue l'idée d'organiser une telle exposition à Conakry? Merci beaucoup, monsieur. Moi, je suis un fonctionnaire américain. Je travaille à Washington. Mais je suis appelé assez souvent à me déplacer pour travailler dans les pays étrangers. Jusqu'à maintenant, j'ai servi en Côte d'Ivoire et en Égypte, et maintenant en Guinée pour l'USAID. Et lorsque je suis nommé dans un pays, je me sens toujours au dépourvu parce que j'ai très peu de notions historiques et géographiques des pays où je suis appelé à vivre pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Alors moi, j'ai trouvé avec l'expérience trois choses qui me facilitent l'insertion dans un nouveau pays. D'abord, c'est des livres. Ensuite, c'est les cartes. Et finalement, c'est les cartes postales. Alors, si j'ai une collection de cartes postales, je peux me représenter beaucoup mieux le passé du pays où je vais. Je peux les montrer à des collègues, par exemple, chaque fois que je me déplace en Guinée, je vais avec un certain nombre de cartes postales. Et je montre à des amis qui me disent « Ah oui, mais c'était comme ça avant qu'on en crie. » Ou bien ils me disent « Vraiment, ça n'a pas changé du tout. » Il y a toutes sortes de réactions qu'on peut espérer, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'en Afrique, c'est surtout une société orale. Il y a très peu d'occasions de voir des documents écrits, de voir des images de l'Afrique autrefois. Donc je pense que par ces cartes postales, on ne peut pas rester indifférent, surtout les gens qui ont connu ou qui ont une idée du passé de la Guinée.